tu as probablement déjà vécu cette expérience. Et tu te souviens bien que lors de tes premiers rendez-vous romantiques avec cette personne spéciale, et dans l'intervalle, les jours semblaient passer à toute vitesse, dans un mélange de passion et d'émotions inattendues. Tu te sens plongé dans un mélange de sentiments intenses alors que tu apprends à connaître et à devenir intime avec cette nouvelle personne qui est entrée dans ta vie, si bien que tu as à peine le temps de traiter tout ce qui se passe. Dans ces circonstances, bien que tout ce qui nous arrive semble unique et que nous nous sentions submergés par ce tourbillon d'émotions, la vérité est que la plupart des relations amoureuses suivent généralement un processus similaire. Voici donc quelques étapes que presque toutes les relations suivront dans leur développement. Première étape, l'attraction. Notre relation amoureuse commence lorsque nous portons un intérêt particulier à la personne que nous trouvons intéressante, même si nous n'avons pas encore commencé à sortir ensemble. Nous ressentons une attirance indéniable pour cette nouvelle personne charmante. À ce stade, tu peux t'approcher et te présenter. Et qui sait, tu pourrais même commencer à flirter en laissant échapper un compliment ou une allusion ici et là. Grâce aux nouvelles technologies de communication, cette étape initiale n'a même pas besoin de se dérouler en face à face. Et de nos jours, de nombreuses personnes rencontrent quelqu'un qu'elles trouvent intéressant sur les médias sociaux ou via une application de rencontre. Deuxième étape, savoir plus sur la personne. Une fois que nous sommes attirés par quelqu'un, nous ressentons souvent le désir d'en savoir plus sur lui ou elle. Parfois, nous en apprenons beaucoup sur cette personne grâce aux conversations que nous cherchons à avoir avec elle. Mais d'autres fois, nous essayons d'obtenir des informations par d'autres moyens. Par exemple, en consultant ses profils sur les médias sociaux. Dans la mesure du possible, nous pouvons même demander à des amis communs de nous donner plus de détails juteux sur cette nouvelle personne qui nous intéresse. Toutes ces nouvelles informations nous aident à décider si la personne est compatible ou non avec nous. Troisième étape, instaurer la confiance. Dans un article publié par le département de psychologie expérimentale d'Oxford, le bien-être ou l'aisance avec l'autre personne et la confiance sont identifiés comme une étape essentielle de toute relation. C'est le moment où les deux partenaires commencent à baisser leur garde et à tâter le terrain pour voir si la relation peut être stable et durable à l'avenir. Au cours de cette étape, il est utile que le partenaire soit honnête, respectueux et indulgent à l'égard des petits détails qui ont pu causer un malaise. Il est également très intéressant de noter que les chercheurs d'Oxford concluent dans leur étude que le contact physique doux et respectueux est incroyablement efficace pour établir cette confiance mutuelle. Quatrième étape, avoir des rendez-vous réguliers. À ce stade, nous commençons à sortir ensemble ou à avoir des rendez-vous régulièrement. Au début, nous n'étions peut-être pas très sûrs de notre partenaire, mais aujourd'hui, nous nous sommes installés dans un rythme cohérent et nous apprécions constamment la compagnie de l'autre. Au fur et à mesure des rencontres, les deux partenaires établissent un lien plus fort, basé sur des intérêts communs, la confiance et l'attraction mutuelle. À la fin de cette étape, nous nous sentons à l'aise les uns avec les autres, même lorsque nous montrons notre côté le plus vulnérable. Cinquième étape, la séduction. Selon la même étude d'Oxford, la séduction est l'une des étapes avancées d'une relation. C'est lorsque nous nous ouvrons vraiment à la possibilité d'une intimité passionnée. Selon ces chercheurs, les femmes ont besoin de plus de temps pour développer ce lien émotionnel que les hommes. En tout cas, lorsque nous atteignons ce stade, nous cessons de nous considérer comme des êtres individuels et nous nous reconnaissons comme faisant partie d'un projet commun. Nous ressentons les émotions et comprenons les expériences de notre partenaire à un niveau plus profond, comme si elles étaient les nôtres. Sixième étape, la lune de miel. La plupart d'entre nous connaissent probablement cette phase idyllique de toute relation. Il se produit au cours des 6 premiers mois environ, lorsque tout semble nouveau dans la relation. Et il existe des études scientifiques qui expliquent comment cela se produit. Par exemple, des recherches ont porté sur de nombreux couples au cours des premiers mois de leur relation et ont analysé les facteurs de croissance ou les niveaux accrus de cortisol, une hormone importante pour la régulation du bien-être général de notre métabolisme. Au cours de ces premiers mois, les niveaux étaient très élevés, ce qui entraînait un sentiment d'euphorie et une réduction du stress. Cependant, lorsqu'ils ont testé ces mêmes niveaux 12 à 24 mois plus tard,
le taux de cortisol était revenu à la normale. Cela suggère que les relations ne sont réellement mises à l'épreuve que lorsque cette phase de lune de miel est terminée, c'est-à-dire lorsque la forte marée de passion et d'amour physiologique s'est calmée. Septième étape, le doute. C'est le stade de la consolidation ou de la rupture des relations. Les doutes commencent généralement à s'installer au bout d'un certain temps. Et avoir atteint ce stade est un véritable exploit. Mais le plus gros obstacle reste à venir avec cette étape, car tous ces doutes doivent être surmontés si l'on veut que la relation réussisse. Le couple peut commencer à s'inquiéter de l'avenir incertain de leur parcours professionnel ou de leurs intérêts individuels, et à douter de la place de leur partenaire dans l'ensemble du projet. En fin de compte, c'est au cours de cette étape que l'on saura si la relation est suffisamment solide pour se poursuivre ou non. Il convient de garder à l'esprit qu'à l'heure des médias sociaux, il est très facile d'être tenté de comparer nos propres relations avec d'autres couples parfaits que nous voyons à la télévision ou dans les médias. Et cela contribue peut-être au fait que le stade du doute est encore plus difficile à surmonter aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Huitième étape, la stabilité et l'engagement. Une fois que tu as atteint ce stade, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter pour ta relation. Après une longue période, vous êtes complètement et inconditionnellement amoureux l'un de l'autre. Vous vous connaissez mieux que quiconque sur Terre et vous êtes capable de prévoir les actions et les sentiments de l'autre, sachant bien quoi dire pour réconforter votre partenaire dans les moments difficiles. Plus important encore, vous continuez à travailler pour le bien de votre relation. Vous êtes heureux de l'orientation de votre vie commune et vous envisagez même de commencer à construire des projets pour un avenir ensemble. Qui sait, peut-être une famille? Reconnais-tu ces étapes dans ta relation amoureuse? Dans laquelle te trouves-tu ou laquelle as-tu atteinte? Raconte-nous-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et laisse-nous un like. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait, afin que nous puissions t'informer des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.